parce que nous sommes sauvés. Tunatumika kwa maana tulishaokolewa. Amen. Alléluia. Amen. Ruth a travaillé. Ruth akatumika. Elle était déjà justifiée. Alikuwa alishahesabiwa haki. Par sa décision ferme de suivre Naomi. Kwa njia ya kusudio yako yenye nguvu ya kumfuata Naomi. Mais arrivé en Israël à Bethléem. Lakini alipofika Israeli hapo Bethléem. A travaillé. Ruth akatumika. C'est en travaillant. Ni kwa kutumika. Que Ruth et Naomi pouvaient survivre. Ndipo Ruth na Naomi wangepata kuishi. Un jour, siku moja, en plein midi, mchana kati, Boaz, le maître du champ, ambaye alikuwa bwana wa kazi, décide d'aller visiter les travaux. Akakamata kusudia kwenda kuangalia kazi gisi inafanyika. Quand il arrive à son champ, alipofika kwenye shamba lake, comme il faisait très chaud, gisi ilikuwa joto kabisa. Tout le monde était à l'ombre. Watu wote walikuwa wameingia kwenye kivuli. Mais Ruth était toujours en train de glaner. Lakini Ruth alikuwa tu yeye angali analokota lokota. D'un coup de regard, Boaz a vu tout. Kwa kupitisha macho huku na kule, Boaz akaona vyote. Tout le monde était à l'ombre. Watu wote walikuwa kwenye kivuli. Sauf Ruth. Wanakuwa kwenye kivuli. Sauf Ruth. Isipokuwa Ruth tu. Elle était toujours sur les champs. Yeye alikuwa tu kwenye shamba. Il parle à son chef de moissonneur. Akaambia yule bwana wake, ule mwenye kusimamia wenye kulokota, wenye kuvuna. Tout le monde est à l'ombre. Watu wote wako kwenye kivuli. Mais cette jeune femme, elle fait quoi sur les champs? Yakini yule mwanamke kijana yule yuko anafanya nini ndani ya shamba? Elle ne sent pas le coup de soleil. Yeye hajali na jua. Le chef de moissonneur répond à Boaz. Mwenye kushimamia wenye kuvuna akamjibia Boaz. Il dit cette jeune femme. Akamwambia mwanamke yule. Depuis qu'elle est venue. Tangu alipokuja. C'est de cette manière ici qu'elle travaille. Iko nafanya kazi tu kwa hii hali hii. Et chaque jour. Kila siku. Il dit comment elle s'appelle? Anasema anaitwa nani? Le maître de moissonneur, j'entends qu'on l'appelle Ruth la Moabite. Anasema ti ninasikia wakimuita Ruth yule Moabu. Boaz se souvient de cette histoire. Boaz akakumbuka ile historia. Il dit est-ce la jeune femme qui s'est attachée à Naomi? Anasema je ni yule mwanamke ambaye aliambatana na Naomi? La veuve de Limelech? Yule mjane wa Elimeleki. Le chef de moissonneur dit oui. Yule msimamizi wa kuwele kuvuna akasema ndio. Il s'est rappelé de l'histoire. Akakumbuka ile historia. Elimelech c'était son frère. Elimeleki alikuwa ndugu yake. Mari de Naomi. Aliyekuwa mume wa Naomi. Ali au pays de Moab. Ambaye alikuwa ameenda kwenye nchi ya Moab. Deux fils. Pamoja na vijana wake wawili. Et ces deux fils étaient mariés au Moabite. Na wale vijana wake wawili walikuwa wamewaoa wa Moabu. Alors leur mari était mort. Na sasa waume wao walikuwa wamekufa. Elimelech aussi était mort. Elimelech naye alikuwa amefariki. Mais Naomi est rentrée veuve. Lakini Naomi akarudi akiwa mjane. Et attachée à elle la veuve de son fils. Na akiwa ameambatanishwa naye yule mjane wa kijana yake. Boaz dira au chef de moissonneur. Boaz anaambia yule mwenye kusimamia wavunaji. Écoute bien l'instruction que je te donne. Sikia sasa vizuri maagizo ambayo nataka kupatia. Là où cette femme est en train de glaner. Kwenye yule mwanamke iko na lokotea. Faites en sorte que vous laissez quand même quelque chose. Ufanye kwa namna upaache vitu fulani. Pour qu'elle ait quand même une quantité suffisante. Il y aweze kupata akachakula kani kuonekana. Et ce soir-là, na ile jioni, Ruth a amené une bonne quantité. Ruth akaleta kabisa kitu chenye kuonekana. Arrivé à la maison, alipofika nyumbani, Naomi ne s'était pas contentée de la quantité. Naomi hakufurahia kabisa ile pungu ambayo alikuwa ameleta.
C'était une véritable mère. Alikuwa mama halisi. Elle regarde la quantité. Anaangalia ile chakula ambayo anaangalia. Elle regarde sa fille. Anaangalia binti wake. Aujourd'hui tu es allé glaner où? Leo ulienda lokotea wapi? En glanant. On ne peut pas amener une grande quantité comme ça. Eti hapo kwenye ulikuwa unalokotea haungeweza kuleta chakula yapata kama na hii. Il dit, maman, c'est toujours dans les mêmes champs là. Anasema mama ni mwa ile ile shamba moja tu. Les propriétaires, on l'appelle Boaz. Mwenye shamba wanamuita Boaz. Il dit, ok, je comprends. Anasema ok, nimeelewa. Il est frère à mon mari de faim. Yeye ni ndugu yake na mume wangu ambaye alikufaka. Une véritable mère. Mwanamke wa kweli, mama wa kweli. Mama wa kweli doit contrôler ses filles. Anapasha kuchunguza mwenendo ya wabinti wake. Elle change de robe que vous n'avez même jamais vraiment acheté. Aiko na badilisha makanzu zenye wewe mwenyewe hauyauzaka. Vous ne savez pas d'où ces robes viennent. Haujua kwenye zile kanzu zinatokea. Vous vous réjouissez. Na mnafurahi. Et quand elle sort, elle te laisse 20 dollars. Wakati anatoka anakuachia dola 20. Et tu dis que ma fille est vraiment intelligente. Na unasema msika yangu iko na akili sana. Tu es une mère de la Odyssée. Wewe uko mama wa Laodikia. Pas une véritable mère de la Bible. Hapana mama halisi wa Biblia. Amen. Alléluia. Frère, ndugu, même si le monde pourrit comme c'est le cas actuel, hata kama vile ulimwengu umekuwa yenye kuoza kama vile tunaiona kwa sasa, des filles correctes, vierges doivent être parmi nous. Wabinti safi halisi mabikira wanapasha kuwa katikati yetu. Parce que leurs mères sont des croyantes. Kwa maana wa mama wao ni waamini. Elles connaissent bien les voies de Dieu. Elles instruisent leurs filles dans les voies de Dieu. Wanajua vizuri njia za Mungu na wanaagiza vizuri mabinti wao ndani ya njia za Mungu. Là, ce n'est qu'une parenthèse. Hapo ilikuwa kufunga vifungu kufungua na kufunga vifungu tu. Naomi dira Ruth. Na hapo sasa Naomi akamwambia Ruta. Voyant la quantité. Alipoona ile wingi ambayo chakula. C'est le fruit de la générosité de Boaz. Akasema hii kweli ni matunda ya moyo mwema wa Boaz. Ruth, je veux préparer ton repos. Anasema Ruta, ninataka tayarisha pumziko yako. Et tu vas faire exactement comme je vais t'instruire. Na utafanya vizuri vizuri kama vile nitakuagiza. Aujourd'hui c'est le soir. Léo ni jioni. Alors aujourd'hui il y aura un vent. Léo kutakuwa upepo. Ça veut dire on doit vanner le blé, l'orge. Ah Léo ni kusema watapepua nani ngano. Ah. Et je sais qu'un grand travail comme celui-là. Na ninajua kama kazi kubwa kama na ile. Boaz sera là. Boaz atakuwa pale. Alors lave-toi. Na sasa nawa. Tu mets ta belle robe. Uvae kanzu yako nzuri. Tu te parfumes. Ujipake mafuta. Et va, tu retournes au champ. Na nenda urudie kushamba. Que personne ne te voie. Kusikue mtu mwenye atakuona. Tu te caches. Utajificha. Tu attends jusqu'à ce que tous les travaux de vanage se terminent. Utamaliza mpaka wakati ambapo kazi zote za kupepua ngano zimeisha. Et tu observeras là où Boaz ira se coucher. Na utachunguza kwenye Boaz ataenda kwenda kulala. Et quand tu réalises qu'il est vraiment fatigué et endormi maintenant. Na wakati ambapo utakuwa umeona sasa ya kama ameisha kuchoka vizuri vizuri na amelala amesinzia kabisa. Va te coucher à ses pieds. Nenda ukalale kwenye miguu yake. Alors si te pose la question. Na sasa kama nakuuliza swali. Pourquoi ce geste? Kwa nini kitendo hiki? Tu lui diras tout simplement. Utamwambia tu. Tu as le droit de rachat sur nous. Wewe uko na haki ya ukombozi ya kutununua sisi.